colonisation, avec conflit activement, non seulement à une sorte d'incapacité congénitale du peuple zaïrois, mais également démontré par là que l'indépendance des pays neufs était une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Bonjour à tous et surtout merci pour votre fidélité à maizo.com. Bienvenue à cette édition de l'analyse avec un seul titre, Jean-Pierre Bemba condamné à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale. Puis il y aura les divers ainsi que d'autres rubriques. Maizo.com, votre site, YouTube, Kerwin Maizo, numéro de téléphone 0033 758 469 414. Vous pouvez nous retrouver également dans le groupe Facebook, les amis de Kerwin Maizo, le panafricain. Merci à tous les sites qui nous relaient, Hôte 243, Africa 243, Congo Synthèse, Radio Lissolo et surtout Radio Bendele. Bienvenue à cette édition. Nous allons commencer, mais cette fois-ci en Lingala, Jean-Pierre Bemba, condamné qui est dernièrement à 18 ans de prison ferme par Cour pénale internationale. Condamnation a eu des conséquences nini et nini koki ko salama si ko yo ke ba condamné. Alors, ne bandeli, il faut voir que Jean-Pierre Bemba a condamné été pour yemo wa kenda na République centrafricaine ko boma ba tout bien ko participer sur na dikam nini. Ba condamné en tant que chef ya ba troupe oyo ba kenda na République centrafricaine. Et ba kometa ki ba acte moko très grave neti ko boma batou ko piller ba village ko piller batou bandaku ba biloko na bango et surtout ko violer basi ou ko violer ba maman comme on dit pour être un peu plus moins vulgaire. Alors Jean-Pierre Bemba akendaka na République centrafricaine invité par président Ange Félix Patassé, président à l'époque oyo azalaki victime ya rébellion soutenu par la France et mené par François Bozizé. Et à l'époque, Jean-Pierre Bemba, azalaka yemoko ko mené guerre contre Laurent Désiré Kabila, guerre yazalaki ko mené, pardon, contre Joseph Kabila, guerre yazalaki ko mené, ezalaki te une rébellion, comme on dit, mais ezalaka beaucoup plus une guerre d'agression parce que Ouganda a se camoufla qui derrière Jean-Pierre Bemba, un Congolais, pour na amener guerre na Congo, hein, à garantir l'intérêt na ye, l'intérêt économique, l'intérêt de pouvoir, l'intérêt d'occupation, en utilisant Jean-Pierre Bemba. Alors, Jean-Pierre Bemba n'était pas chef de l'État. Azalaka, Oba Bengaka, généralement chef rebelle. Et tango, tindi, sengi, troupe, atindi ba troupe na République centrafricaine, commettre exaction ana, tribunal pénal international, ouvrir enquête contre yé, et enquête wana et sali que mener procès oyo et durer 8 ans tina ndenge ba iko condamné. Tout de suite là avocat Jean-Pierre Bemba ba sali appel les alini les ali que ceux qui ba jugé yo ou se peli na ndenge ba jugé yo te surtout pas sur le fond mais sur le plan forme, est-ce que ba droit na yo zala ki respecté, est-ce que procès zala ki libre, est-ce que procès zala ki contradictoire, est-ce que droit na yo à la défense, c'est-à-dire droit aux ala avocat, ils ala qui respecter, est-ce que aux ala qui kozo ba document à temps pour na avocat na ba préparer défense ainsi de suite makamona nyoso so ko zo remarquer qu'il y a un point qui cloche et que aux ali d'accord na verdict té okoki ko kende en appel, c'est-à-dire normalement so que zali na droit national et zali que tribunal mosusu oyo ezali supérieur na oyo zo qui décision en liboso et katali kambumbala ya mibale batala. Ceux qui, aux alliés, n'ont raison, va modifier peine vers le bas ou va quitter. Ceux qui aux alliés n'ont tort, va garder peine on est à Kala ou va augmenter. Et dans le cadre de ces pays, le tribunal supérieur dans ces pays, les alliés, qui va demander le procès, mais dans la chambre où les alliés autrement constitués. Jean-Pierre Bemba a été condamné pour 18 ans et à ça lui appelle. Appel dans ces pays, l'air va bana sous l'année la procès en appel et gozoni sous bâton, peut-être une année, deux ans, trois ans, peut-être on ne sait pas, à gozala lissous ou kaka na prison en attendant que décision ezoam. Pour le moment, décision ezoam y a 18 ans de prison, bako fixé lissous ou na kati a décision on a bako fixé montant ou indemnité, ou yonin il faut appeler sa victime. Pour souligner à te que tu condamné Jean-Pierre Bemba Sili.
Muto ba pia ki biloko na ye, fo ba futa biloko na ye. Muto oyo ba viola ki, il fo ba futa ye amende. Po na, ko kompense, même si c'est impossible ko kompense, crime ande nyona, viol oyo ya zala ki victime. Alors, wane zali vole a mi bale yo koya. Mais si ko yo, nenge makambo sala mi deba ezali ni. Deba ya liboso, bat balobi, ce pays ezali tribunal moko politique, bazali judiciaire te po, soko tali ba procès na bango se a caractère politique. Et ba monsieur Sukutu, balobi ezali tribunal moko négrophobe, oyo e yina batu mwindo. Alors, ça c'est vraiment un fait qu'on ne peut pas nier. Sur 25 personnes, on va juger, bangonyos basali batumwindu, bangonyos basali bafrika. Bon, confondre tes tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, wane zelo komusus, eza se pays te. Wane zali équivalent à tribunal pénal international pour le Rwanda, ou ezaki na Arusha. Mais nandenge a se pays et juge kaka batumwindu. Or, soko tali, parmi ba pays nyonso, oyo basinya ki traité de Rome, oyo créa se pays, ba pays misuso bazali en dehors ya Afrika bazali pena ba problème ba violation à droit de l'homme grave ba crime de guerre ba crime contre l'humanité ezali mais ba pays wana bazo la ba dirigeant ba bangote bazo lande la mingi ba africain ça c'est un fait. Alors solution ezali ni solution ezali soki bat ba lingi vraiment justice solution ko sa koutou te ke ba bomase pays non solution ezali ba rendre yango nde monde entier ba coaliser d'efforts, va rendre en gros plus efficace, plus juste, et ça la tribunal moko judiciaire, et non, et ça la te cour politique internationale, et ça la cour pénale internationale. Wane loko a libossé alors. Soto zongeli procès à Jean-Pierre Bemba. Et loko ezo dérangé, c'est quoi? Jean-Pierre Bemba a kenaki na République centrafricaine sur invitation, y a président Ange Félix Patassé. Et président Ange Félix Patassé, tina liwa na ye, il n'a jamais été inquiété. Or, on ne peut pas condamner le complice sans que condamner non l'auteur pardon Moutou Asali Likambo sans que va condamner Moutou Asali Seko Sala Likambo Moutou Asali Likambo na français l'auteur Moutou Asali si Moutou Sala Mabe azali complice donc na kana ba troupe esali infraction ezali ba troupe ya Jean-Pierre Bemba mais Moutou azo bimaneti complice infraction ya ba troupe ya Jean-Pierre Bemba ezali Ange Félix Patassé. Il n'a jamais été condamné. Ou en injustice à Liboso. Injustice à Mibale Zali qu'à l'époque, il y avait au moins 7 milices dans la République centrafricaine. Et les milices, ils ont été mené guerre. Guerre. Et les milices, ils ont commis des exactions, ils ont été battus, et tout ça. Ba, ça a vraiment enquête été baillé. Ceux qui ont été violés, ceux qui ont été battus. Oh, il y a des troupes, il y a Jean-Pierre Bemba, dont la brutalité était légendaire. Ils ont été suffisamment connus, ils ont été Jean-Pierre Bemba. Et quand ça l'a bien, bah, ça l'a fait enquête, bah, yé, bah, ce qui s'est passé, côté, y'a, bah, six autres groupes, y'a, bah, milices, ceux qui, bah, kokaki, koza la, poursuivi, ou poursuivable, ou pas. Mais, wana, et ça l'a maquité, c'est une injustice. Mais, et l'on, bah, bazolo, bah, que, les lots, oh, bah, soldats français, bah, violés dans Centrafrique, bah, j'ai même, bah, mboa, bah salissi bah moi na bah jeune femme centrafricaine bah relation sexuelle il faudrait bah quand on a François Hollande alors on a pesali confusion France est allé un état un pays avec des institutions avec une organisation en tant que état est allé membre il y a société internationale donc azali acteur il y a vie internationale. C'est un état où il y a quelqu'un qui a signé des traités internationaux et il y a quelqu'un qui a négocié en haut, tout comme il y a quelqu'un qui a bénéficié directement d'un effet où il y a des traités internationaux qui ont produit. Tandis que MLC est allé groupe Mokotobengango rebelle. Bien que quelqu'un a la paix, il y a un groupe d'agression, enfin bref, ils allé groupe entre guillemets rebelle. Pour Mousseveni, Bombanissima. Alors, en tant que groupe rebelle, qui n'est pas un État, tant un président étranger à Zobenga Bango, t'es comme un État. Oh, ok, bah, signer un traité de coopération, ou, bah, sali, coopération, moko bilatérale, là, y'a, ou, sali, sanga, nasa, na guerre, y'a, ça, c'est autre chose. Et en cas de problème, bah, n'y'a qui bah, kende, na conseil de sécurité, pour pas que nous katali kambouana. Et ceux qui, sur un plan strictement personnel, mouta commettre mabe, bah, kota là, soit, bah, jugé, na pays, na yé d'origine,
soit ce qui va corriger les alliés, bah qui coûte extra déy, bah juger un pays où il y a commettre infraction, soit accueillir dans ces pays ce qui va pays où le mi bah les alliés impliqués système judiciaire na bango les alliés incapables y'a quoi juger. Mais na cas y'a Jean-Pierre Bemba tant on va bengi en tant que chef rebelle toujours utilisé moi par commodité de langage na Centrafrique. Ils allient le corps là, mercenaire. En fait, ce n'est pas un état, c'est comme un mercenaire. Or, mercenariat, il boyama makasi na droit international. Donc, bato bazo linga ko comparer, kaya MLC, na kaya France, na kaya Uganda, na kaya Rwanda, c'est différent. MLC, ils allient un mouvement, rebelle entre guillemets, mais ce n'est pas un état. Alors, si on va le bimba la MLC, si on va le bimba la logique, il faudrait, mais il y a Jean-Pierre Bemba pour responsabilité des commandements. Bakendepe, qui est derrière Jean-Pierre Bemba, a là, logiquement, il faut pas qu'il y ait Museveni dans Ouganda. Il faut pas qu'il y ait Museveni. Batou na Museveni, rapport ni les alliés entre Museveni et Jean-Pierre Bemba. Et ensuite, ce que les alliés rapport de subordination, ensuite, entre Jean-Pierre Bemba na ba troupe naye, pour ba outiko consacré au babengi responsabilité à commandement, c'est-à-dire, si vous allez mon conzi à ma troupe, et que vous allez ma bêtise, vous allez responsable à ma bêtise, vous allez notamment ma crime de guerre, ma crime contre l'humanité. Donc, sur ce plan-là, les bakangi Jean-Pierre Bemba, il fallait battre la paix, la direction à Museveni. Pour ML, si on le rappelle, c'est un groupement, ce n'est pas un État. Donc, statut na bango, c'est différent d'un statut à un État. Alors, condamnation au Anna. Ezali n'a avantage, Ezali n'a désavantage. Avantage, n'ango Ezali un message fort. Oyo ba lancé envers ba dirigeants africains. Oyo nyonso ba Ezali ko violer énormément ba droit de l'homme. Na bamboka na bango. Oyo ba Ezali ko réprimer ba manifestation. Oyo ba Ezali ko fomenter ba rébellion. Oyo ba Ezali ko fomenter ba trouble pour na ba motivation politique. C'est-à-dire ba tika la na pouvoir. Ezali message moko ezali ba bengaka épée de Damoclès. Donc épée moko efandaka na mutu na yozo zelaka soko ningani e kweleliyo na mutu e katio mutu mbala moko. Donc une menace oyo ko sala que certains dirigeants africains ba ko réfléchir deux fois avant ba sala likambo. Surtout na RDC où la plupart des autorités bazali sous monitoring, c'est-à-dire sous surveillance spéciale ya ces pays. Ce qui manifestation, bah, mais qui qu'on utilisait kaka masasi, ou bien nini, ou bien batubakoufi, bah, zo risqué ces pays. Wana, ezali, côté avantage. Alors, côté désavantage, ezali que, ça donne l'impression, comme c'est un Africain de plus, ça donne l'impression d'être un tribunal pour broyer du noir, ou broyer du nègre, entre guillemets, n'denge batimisu sou balobaka. Et ensuite, ezo paie sa impression avec 18 ans de prison, a sali déjà 8 ans, ils ont fait sa impression qu'il y a du deux poids, deux mesures. Botali Jean-Pierre Bemba, vice-président, a quelque chose à Makamuna, République centrafricaine, 18 ans de prison. Mais ce que je dis, Thomas Lubanga, Bango, ba sala pire, pe na est à Congo, c'est comme si Congolais azali inférieur dans centrafricain. Bon, Thomas Lubanga, moins d'années, et a déjà libéré ce qui pour bonne conduite, ce qui nini. Allez, Libanda a kende kota la makamunaye na RD Congo. Ça, ça paraît quand même du deux poids, deux mesures, ce n'est pas normal. Ensuite, sur le total, 18 ans. Jean-Pierre Bemba sali déjà 8 ans, ou un peu plus. 10 ans etikali, ezo correspondre na deux mandats. C'est-à-dire, ce qui te lobby que total amon a ba lunette, mais sous ezo pe sa impression que. Bah, si ba yebi, nani, a causa la président après Kabila, et que Moutouana, il ne faut pas que Jean-Pierre Bemba a dérangé yé par ses ambitions pendant deux mandats. Pour ceux qui ba libéré, que ba lobby, bon, en tout cas, lien direct de cause à effet, isate, entre yo, il ne faut pas que nous louka ba troupe na yo, moko ba kangabango, yo ba tika na bango yo, parce que yo tini bango na Centrafrique, ba kino sali sabozize. Mais au tina ki bangote ba kende ko violer ba kende ko sala boye donc ba exonéré yo du coup il faut ba foutailler les 8 ans passés na prison ensuite ba tu oyo ba ko kanga ba sali solvable te sali baza na mbongo te pour na ba fouta ba victime donc ba kangi muto bango ba si ba jui chef na bango aza na mbongo akoki ko fouta ba victime et
a commis qu'au déranger ba calcul politique na bango po asa lena bango a yebi na mabe na malamu na kati. Donc 10 ans de prison on a peut-être et qu'on vous a la calcul ou pas, mais ils ont coïncidé na durée à deux mandats présidentiels na Congo, 10 ans au Etikali, ce qui fait que Mouto Aboya derrière Joseph Kabila Azan a 10 ans ya tranquillité, à moins que condamnation à Jean-Pierre Bemba ezala confirmé, comme ça a commis inéligible. Mais même Libanda a coquille conduire pour Azana ba troupe naye oyo bayo ke nakaye Azana batu naye, même ceux qui azali inéligible a coquille ko utiliser batu ba jouer rôle to ko benga na français les empêcheurs de tourner en rond, c'est-à-dire ba déranger moto Azana pouvoir ya fani naye wana na ndaku naye asabi mi prison azo tirer ka ba ficelle et azo tchakaka mutu oyo azo gérer mboka. Alors peut-être la solution serait ba mettre toujours au frais et bango ba continuer ko mener Congo direction oyo bango ba lingi ba continuer ko mener. Alors ce qui côté ba congolais c'est la compassion, ba bazali désespéré, ils ont besoin de Jean-Pierre Bemba pour na peut-être selon bango ba mona un peu clair na situation politique. Mais côté ba africain monsieur sona ba centrafricain, bazo trouvé même que 18 ans ils ont manqué par rapport na oyo bango ba vivre. Bango bazali choqué na oyo bango ba vivre, mais biso ba congolais, surtout certains congolais au monde, indignation na biso ezali suffisamment forte té par rapport na makambo ezo leka na pays na biso, notamment na est pays na biso, na ex région ya Grand Kivu, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, une bonne partie à province orientale et na nord ya province ya Katanga. Tout beau sanité que bakenaka bexation na pe na province Équateur et que batupe ba mona makamu na bango na baba Congo et que province ya bande de côté Kayemba et perda même une partie. Donc ma beau ba congolais bazo mona indignation est ali suffisante. Na Centrafrique les gens sont indignés, ils sont accompagnés par les maîtres de ce monde et quand il y a une infraction qui se commet, les gens payent et bazo jugé bat. Alors soko tali côté MLC, batumini bazaki na MNC pas par conviction politique, mais pour un intérêt politico-stratégique. Et MLC, c'est le plus grand producteur de traîtres politiques dans l'histoire politique ya Congo. Et ndenge ba yebi que Jean-Pierre Bemba, situation na ye est comme gloomy, est comme flou, alors batebele ba relaxa ba vraie face na bango, ba kolonga na bango, MLC et ba kokima. Donc MLC est allé au bord de l'implosion. Et j'ai été tamo nazo tala makambu nenge salami na landi interview ya F Bazaiba na RFI ozomona langage za susute soulèvement populaire Kabila fo longwa balabala langage komi soki le 19 décembre Kabila longwete ayebake président ya assemblée nationale zo président ya sénat mutu ako remplacer, autrement dit Kengo Wadondo. Ki di Kengo Wadondo di IDI wibi sou IDI ne poka Mobutu. Hein? Oh, bazalaka wana, batu nyonso yo, yambongo, batu nyonso un pied dedans, un pied dehors, donc IDI na pouvoir. Mais, ni nezo la kisake, le 19 décembre, Kabila a rozoaka Kengo, bon, Kengo, kamata kado yango. Et qui nous dit que Kengo s'occupe, Kabila a pese d'abord yango, et que s'occupe pa pese yango, a kamata yango, et a organisé l'élection. Donc, il faut pression salama. Même F. Bazaïba, langage est comme changer. Alors, ce qui attend la constitution, bien, pour la vacance et le pouvoir, les alaka kanka, ba décès, maladie, liboma et nini. Bobalobi pour toute autre cause. Et c'est nakata à toute autre cause, wana, to goyiko koti sape fin ya mandat. Alors, ce qui to koti si fin ya mandat, est-ce que F. Bazaïba, azalina garanti que les 19 wana, Kabila peut tout bonnement lobby si koyonga na komo respecté constitution, le kola les 19 et koki belekse salamite na pesa mo Kengo Wadondo. Et qui vous dit que ba Congolais baza d'accord pour na ke Kengo Wadondo a salawana? Toyebi bilan na ye? Toyebi bilan na ye? Est-ce que Kengo Wadondo déjà cause à la président na Congo parce que sa mère est rwandaise, son père est polono-belge? Donc, c'est un polonais de nationalité belge. Après, a qui kokoma congolais, mais pas congolais d'origine, a koma congolais d'adoption ou par naturalisation. Encore faut-il qu'à la paix congolais par naturalisation pour voyager à Kanaye deux fois avec un passeport, selon certaines sources, avec un passeport belge. Et
Généralement, il a toujours été dit que tant au Mobutu Akendaki, il a déclaré qu'il est en Belgique, qu'il est juste allé aider un ami. Lui, il n'a rien à voir avec ce pays. Bon, donc, ça c'est tout un débat. Mais ce qui gêne, c'est déjà ce changement de langage, la naïveté. Oyo, ils ont l'axaka que bon, les 19, Kabila a commis moi na mala moi le Kengo, Kamata Kado, Yangwana, organisé l'élection, soko organisé Ngana Longwa, na comme sénateur à vie. Comme ça, ce pays a l'andelangaï, peut-être pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Tout ça, ça met mal à l'aise. Et ils ont là qui sont déjà direction Nini Batubasi va comprendre déjà que Moulili et Zanamitou Nabango, Mboula Makas et Lingenoka, Bazomo n'a sous clarté par rapport à Jean-Pierre Bembo Batiak Espoir. Et Moutou Namoutou, langage est commis déjà qu'au changer. Alors. Arrestation ou condamnation à Jean-Pierre Bemba, il faut payer à la leçon pour tout le monde. Comment fonctionnent les Occidentaux? Il a servi le système. Et le système est en train de broyer ses propres fils. Lui qui a accepté l'inacceptable. Inacceptable, on a accepté qui? Et ça là qui? Bah, Occidentaux, bah, tout, bah, n'imisa qui est en haut. Mais on ne peut même pas, ne fût-ce que, qu'Okanisela est que bon, il a servi le système, toi, qu'il a eu mawa. Bazakaka n'a quoi enfoncer, bazakaka n'a enfoncer pour Bango. La seule chose qui compte pour na Bango, ezali ba intérêt na Bango. Ezala kanango jamais ba personne, bat bazali ba simple pion, bazali ba simple Kleenex, ba pamousi, ba boaki na poubelle, ba saleli, so bazasu na besoin na yote, ozala malamo, ozala mabe, soit poubelle, soit garage. Et ça, Jean-Pierre Bemba vient de le vivre à ses dépens. Alors, total. Ce qui a sali appelle Ndenge Basaliango, ce qui va juger très rapidement, il n'est pas exclu qu'à sa la paix exonérée, que l'appel va constater qu'il a été victime d'une injustice, ou que jugement, il est qui m'a lamouté, encore les acquis jugement moko très mouvementé, dossier moussous, il y a subornation des témoins yoko bimanakati, juge moussous sa japonaise, même à Koufaka pendant le procès, il fallait bah, remplacer moussous, on a mis ça dans le dossier. Et ça qui procède mon côté très mouvementé, il n'est pas aussi exclu que appel on a et aboutir et bah libérer et bah exonérer et qu'il reprenne sa place parmi les Congolais et à continuer sa vie et continuer son bonhomme de chemin. Alors sur le plan humain, c'est très éprouvant, quelle que soit qualité. Il y a prison on a, rien ne vaut la liberté. La prison on a, ils ont tout, ils ont la télé, ils ont la nourriture. Ils ont la qualité mon côté vraiment que prison, oh, ils allaient dans pays bas, il y a ces pays, et l'équipe anda kumingi, il y a Matete, il y a Kingasani, il y a, je sais pas moi, Kenya, ou il y a Nzinda na Kikwitu, je ne sais pas moi où, na Kitoko. Mais, quel que soit Kitoko, bah, t'as la déjà qualité à vie à Jean-Pierre Bembalera à Zaki Libanda, et ensuite, rien ne vaut la liberté. Donc, le fait que bah, privé moutou liberté, le fait que bah, simbi bah, compte naye, le fait que bah, yuko mona bana naye, le fait que comme mon a moi si naie na parloir ou par intermittence, il faut ma permission, il faut ma photocopier mukanda, makambo belé belé, ça sur le plan humain, c'est vraiment très dur à avaler. Donc ils allient dossier mo ouvert, ouverts, sauf ils en ont développement misusu, donc aux hommes et la binoka kana émission oyo po tolobela yango. Na cadre à divers, donc au signaler bino que ils allient na ba dossier oyo ils ont tourné autour ya forum ya Jeanval et autour ya Moïse Katumbi. Ils allaient dans la conférence Mongo Salama le 30 juin à Bruxelles. Ils allaient organiser par ACP puis Radio Je crois Mbote. Mongo Salama sur les droits de l'homme au Congo. Alors, pour na ko participer, il faut qu'on commande la boîte mail Moko, Otindi Kombo na yo, adresse na yo, numéro à téléphone, numéro à Mukanda na yo, Makam Noutou. Mais si vous allez adresse Wana, ils allaient moisekatumbi.com et tout ça. Donc, ils allaient dans le Moko Oyo, bah, organiser pour Moïse Katumbi. Et qui dit Moïse Katumbi, on voit l'ombre. On a de bonnes raisons de penser que l'ombre à lui, Michel Isa Mushikati. Pour Bango, Bazali vraiment, bah, parrain à Makambo et Zole Kana Congo. Alors, Bango, le lobe, comme Obeta Masolo, a droit de l'homme na Congo. Mais Bazo Bosa n'a que le premier, un des premiers droits de l'homme, Oyo, Tokoki, qu'on apprécie que Bango va promouvoir na Congo, Ezali, les droits du peuple souverain congolais, à élire, pas seulement à voter, mais à élire ses dirigeants. Donc, ce qui passe au salaire d'interférence,
Pona ba pone la ba Congolais, moutou bazo respecte droit ya ba Congolais te d'autant plus que bango ba Belge en matière de droits de l'homme na Congo bazali exemple te. Roi na bango, asala génocide na Congo, colonisation na bango ezalaka horrible, et ba yiba biso biloko ebele, ba pia biso biloko ebele sur le plan économique. Pona kata ba droit de l'homme, il n'y a pas que le droit politique, il y a aussi des droits économiques. Bango ba violaka ba droit économique na biso ebele. Donc, Bazali ba modèle, nous ne savons pas ce que ça cache. Mais, sachez tout simplement qu'à propos de Moïse Katumbi, tribunal à Lubumbashi est condamné pour 3 ans de prison pour spoliation d'un immeuble. Alors, Balobi a botté l'immeuble à Moutou, ba condamné à 3 ans de prison, avocat naïe Bazaki n'a droit à assister à procès en athée. Donc, et logo moko oyo vraiment n'a n'engé à la République bananière. Et Katebe Katoto a passé interview na politique.cd. Alobi wane zali buzoba immeuble wane zali ya ye ezali ya mutute yo bazolo belaso Moïse Katumbi ya tout ayibi abotoleza immeuble na ye ya ya na ye Katebe Katoto. Donc c'est du n'importe quoi. Soko tali bien soki gouvernement a Kinshasa azalaki na besoin kokanga Moïse Katumbi leur dossier ba mercenaire ebimaki banga ba transférer na kin ba garda ke na Lubumbashi. Premier test basalaka prière ya 2 minutes chaque midi pour le Congo. Ce qui est dans le pays, c'est que les gens sont populaires. Leur prière est simbité, va tester la popularité par la stratégie de victimisation. Quand les gens sont dans le tribunal, et simbi na ngote ah gaz lacrymogène, maladie, va libérer na bango yoto, yebi ke député, na cadre va fonctionner na immunité na ye, à sala émission na radio na Goma. Balongo n'a même pas immunité à salaka ka studio à radio aéroport Boloko. Mais Moïse Katumbi a salaki ne ko comparaître librement à Bimina ye et na ndenge ba bimisi. Et si ko yo bazo condamné na dossier moko mal ficelé, un dossier bidon, o ba yebi ke ko kené nulle part. Et ye azo kané la même ko kitakil. Soki bon selon c'est le ndenge zo ko mama, tout ça ba difficulté à ko vérifier ba source. Mais ce qui est solo, mais ce qui a quitté, qu'est-ce qui va se passer puisqu'il est condamné? Bah, kokangaye, après, il y a bimi victime, et ce qui a bimi victime, après, bah, chancellerie occidentale, bah, si, bah, pour nier, allez, bah, beleli, victime, ah, opposant, le gros, la peuple congolais, pas, l'éla, naïe, kaka, koza, la côté, à bateau, bah, zo, nyokola. Bon, mon, il est, wenge, kabona, ki, jibe, na, wera. Jibe, orgueil, yé, ake, na, groupe, mubimba. Wera mwana mawa akeka kana Adolf Dominguez na Didier Masela kini mubimba tale bela batu derrière wera son la victime. C'est comme ça que kini fonctionne. Ils sont toujours du côté de la victime, même ceux qui victime on a zali vraie victime te, même ceux qui victime on a koyi kozala coupable. Donc stratégie à victimisation pour na ba faire accepter yé na peuple congolais ba ko continuer na ngoti na suka parce que ba o ba monter dossier wana bazali ba juriste. Et façon ba monter là ba yebi ko le kanangote c'est un dossier bidon, mais vraiment bidon. Nyonso wana c'est pour la relaxer na peuple congolais qu'on s'acharne sur lui, donc lui il est devenu la victime. Or peuple congolais en a besoin, victime te peuple congolais en a besoin y a un vrai opposant. Asiko bata la bilan ya Katumbi, est-ce qu'azali opposant? Il a toujours été dans les systèmes. Quand a l'air ko ba 3 fois penalty mais oh yemo ba bénéficiaire qui Malamo, ah, y a comme opposant. Malamo, il faut qu'on respecte la constitution. Mais est-ce que, Azo Loba, il faut pas respecter la constitution ou bien faut pas respecter kaka partie à constitution ils ont arrangé, c'est-à-dire nombre à mandat présidentiel, n'a pas délai constitutionnel par rapport à l'élection présidentielle. Pourtant, on va violer la constitution. Kobo Mabatamu Kungubile, ils ont dit violation à la constitution. Alors, bah, rien. Qu'on ça la glissement, bah, sénateur. Ils ont une violation à la constitution. À l'obarien. Bah, non, moi, bah, gouverneur, bah, bénéficiaire. Il y a, par exemple, 4 ans, il y a glissement. Ils ont une violation à la constitution. À l'obarien. Spoliation, il y a sous-sol, il y a Congo. Ils ont une violation à la constitution. À l'obarien. Allez, qu'on l'obane, kaka, sur un aspect à la constitution et presse, bah, proclamer directement opposant. Alors, si vous êtes dans le journal Le Monde d'Afrique en ligne, Bazoloba azali condamné pour 3 ans de prison, donc a commis inéligible. Sauf que kokangawana ceux qui a sali appel, ceux qui bakangiye ah ezala ki injuste, ezala ki boye, ba témoignage monsieur Sebimi, ndenge katebe katoto lobi, ezali
immeuble naïe, ce qui a prouvé en haut que Zali immeuble naïe, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, Zali que Moïse Katumbi va acquitter. Donc, condamnation à Zali effacée, donc à Rosalie Yusoussou, inéligible était, mais à Kobima victime et à pouvoir, et en tant que victime et à pouvoir, connaissant comment les Congolais fonctionnent, va s'adhérer derrière yé et comme bazana ba moyen financier et que ba oyo ba koki ko fournir mbongo pour na organiser l'élection bazali ba tout mongo bazana ba préjugé favorable envers yé. On sait comment ça se passe au Congo, le peuple a le droit de voter mais pas le droit de lire. Boki nokoti ka ba bulletin na binona irm, mais ce sont les occidentaux qui choisissent qui doit devenir le président. Alors sikoyo ce que j'ai dossier wana tozui oyo ba kosala le 30 juin auto tout koloba. Tous les dossiers à condamnation et tous les suite, il y a conclave, il y a Genval. Donc au moment que bon comité des sages et se réunit. Bazo zela, ba condition ba poser que pas Edem Kodjo, ce qui a rempli Riango, ba kende dialogue. Donc ba tenir sa forum à Genval, ba aucun des dialogues. Et ba aucun des dialogues, na neni a sangisa sangisa. Et qu'est-ce qui va se passer na dialogue? Tu sais que dialogue, ba kango, ça sera une transition. Qui dit transition dit un nouveau texte. Et un nouveau texte on a pas osé l'engonner, ni parce qu'il y a un moment dialogue. Alors, Bazali capable, bah tu sais qui dit Balobi, bon tu sais qui dit président, mais na bas texte on a pas prépositionné Katumbi ou Kamere Mokazwa Sena, Moussa Zala par exemple vice président pour ce qu'il faut créer. Et bah tu na kati texte on a que en cas d'empêchement, Moutakogi qu'on remplacer ce que Zali président à sénaté et que Zala vice président. Ils peuvent le faire. Dialogue et ça l'a mis en outil. Et bah prépositionné bah tout n'abandon. Comme ça, Tshisekedi aurait juste servi de passeport pour na andi misa projet on n'est pas yaba congolais. N'engue bah ça qui na Laurent Désiré Kabila. Bah yana Laurent Désiré Kabila na bah rwandais pour na bah congolais andi ma afdel. Et lors on abandon y a occupation bah ça qui na sima pour n'andi ma man bah congolais. Il faudrait un congolais à Liboso Laurent Désiré Kabila. Et conclave à Genval pour na andi ma man bah congolais. Il faudrait Tshisekedi à Liboso. Mais bango derrière bazo préparé armada ba yebi ke ya komi mukolo azana ba problème ya santé bazo traité par ba belge baza capable de tout hein, ils sont capables de tout. Un mois boche mutu président bo il n'a même pas le temps de s'organiser bino bosi bo modifier ba texte et puis bo comprendre te mutango a komi na ye n'empêchement moko peut-être définitif ou ce qui a modèle ni na se retrouver hors circuit et ba eko tcha batu na bango na pouvoir. Yangona, il faut batuba zala vigilant. Ba fongola miso. Argument komi. So ki bango bazo sala eloko na bango bino pe bosala ya bino. Mais eloko bango bazo sala, eza kop na bango te, il parle du pays de tout le monde. Et du moment que bi loko bango bazo sala, eko yiko zala na conséquence sur vie à batonyonso, tout le monde a un droit de regard parce qu'on parle de notre pays. Tozo beta masolo a parti politique, mokote on parle de notre pays. Deuxième élo, argument comme ah non, mutunyo sakoya même kiungu akoya wana. Mais kiungu n'a pas commis un génocide contre les Baluba. Un génocide par définition c'est un crime contre l'humanité. Likamwana etaleli kaka Baluba te etaleli l'humanité et toute l'humanité doit protester. Est-ce que kiungu wakumwanza koyi ko se présenter dans lobby nana ye awa pour na état de droit et se mettre en place comme ça au nom de l'état de droit bokanga pour kiungu azazoba. C'est un vieux politicien, un vieux routier de la politique, ayebi. Soka zawana za sur naye, ayebi nengeni ni makambozo kende. Donc, présence naye wana, kaka ya yete me ya batumisusu, ça faisait des ordres. Tant moto loba ki que, conférence ya île de Gorée et zala ki échec. Kuna basangisi, ma parti politique na société civile, to lobi ke zala échec, batwa tchetembe. Mais pourquoi soke zala ki réussite, ba yeko bande la même chose na Bruxelles. Pour na Bruxelles, basangisi, les forces politiques acquises au changement, c'est-à-dire bah, parti politique, et les forces sociales, c'est-à-dire société civile. Donc quand les locaux bah ça là qui n'agorent bah bandez les on a Genval. Et on y agorent à la lure où vont les choses. N'importe bah congolais bah comment font on la misu, ils vont risquer peu qu'on s'allie échec. Et ceux qui s'allient échec, bah qu'on font on la lissusu. Troisième front, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ils allient locaux moko oyo batou. Il faut bah font on la misu. Parce que bah belge bazo sous-traité pour na américain dossier à Congo et bah oyo bazo sous-traité en na Belgique bazo fonctionner presque comme un groupe mafieux
Parce que moi, intérêt moko, oh yo, ils allaient incompatible, non, mais intérêt à peuple congolais, et baso tindi kango, vraiment sans état d'âme, il faudrait batou, bazala, vigilant. Tant que tous aussi s'analyse, nouvelle moko et kwele libiso, trésor américain, c'est-à-dire ministère américain à finance, gelé mbambongo ya général Kanyama, un peu partout dans le monde. Donc, à la mouni na tongo boye, il n'a plus accès na bambongo na yo ezali, en Afrique du Sud, en Europe, un peu partout. Gelé en haut. Bon, c'est rappelé, il n'y a pas longtemps dans l'analyse, to yebisa kibino, que États-Unis azo préparé ba sanctions contre ba autorité congolaise, oyo bazo violé ba droit de l'homme. Mais ba sanctions na ezali kakate, contre bato bazo violé ba droit de l'homme. Ba sanction en appel ezali moyen de pression contre Joseph Kabila pour na ko amener à respecter constitution, notamment ba article oyo ezali en rapport na nombre ya ba mandat présidentiel, c'est-à-dire deux mandats successifs, pas un de plus, et respect ya ba délai ya ba organisation ya ba élection, notamment élection présidentielle, oyo il faut esalama au moins 90 jours avant fin ya mandat ya Joseph Kabila. Et le rôle à fin à mandat à Joseph Kabila, il allait le 19 décembre 2016. 90 jours avant, il y a eu le bas déjà. Le 19 septembre 2016, il faut Séni à convoquer l'élection présidentielle. Et pour cela, il faut Kabila à se prononcer déjà clairement que à quoi se représenter T, à quoi modifier constitution T, à quoi ça la ba manœuvre dilatoire, t'es ba manœuvre à quoi benda, quoi dilater, moulaï, à quoi ça la ba manœuvre dilatoire, t'es pour un glissement et salam. Et que, à quoi fournir Séni en tant que président de la République, Oyo constitution, ils ont pensé à y avoir obligation à quoi ça la que ben institution ait fonctionné normalement. Or, Séni est allé institution. Ensuite, ce qui est aussi, institution, mécanisme, rapport entre présidence, na parlement, rapport entre parlement, na, institution judiciaire, rapport entre parlement, na Séni, rapport entre ministère de l'Intérieur, na Séni, enfin, gouvernement, na Séni, ainsi de suite. Par rapport à l'annonce, ils allient institution, mécanisme et constitution, ils allient qu'on oblige le président à la garant le bon fonctionnement de l'institution. Donc, ceux qui se lient à fonctionner, Mme Mouté, quelque part, il est garant à la responsable à Oyokoya. Donc, dans le cadre de la pression, le bas qui va causer la sanction et la Sengaki Union européenne à ça là de même. On l'élo Oyo. Trésor, département, il y a trésor américain, n'est-ce pas, lobby, c'est l'équivalent du ministère des Finances, dans le pays, Misusu, a passé à la vitesse supérieure, a subi la sanction contre général Kanyama. Alors, général Kanyama, tu es bien, il y a des moutous à réprimer la manifestation, nakine, il y a moutous à mener qui opération Likofi, donc, a subi la sanction contre lui, et déjà, en France, il y a dans l'une des villes françaises, dans le commissariat Moko, si tu as photo, il y a comme étant un homme dangereux, originaire de la RDC. Ce qui veut dire que ceux qui ont voyagé à Tchema Kolonaye en France, bah, qui ont kangaye, bah, ramené de telle sorte que justice est entendre yé, pour, bah, infraction, bah, on va jouer ça à la Kinshasa, ceux qui ont été en cadre de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ou bah, violation grave des droits de l'homme, à qui ont se retrouvé dans ces pays, ou dans bah, pays où ils ont bah, reconnaissant compétence universelle, y a bah, tribunaux dans Bango, en matière, il y a certaines infractions, le col à Belgique. Alors, à part Kanyama, selon nos informations, la liste est longue. Liste est Kobima. Et dans la liste, il y a un peu à moins que ça la modifié. Tout le monde a été battu, Oyo va participer à la situation de violation des droits de l'homme. Oyo va se faire Congo, Oyo va se faire un compte à l'extérieur, Oyo va se faire un membre de tout le power, tout le monde va se faire un compte. Kanyama, Azali, commandant de la ville à Kinshasa, mais mon cousin a l'icolo, c'est le général Bisengimana. Est-ce que Kanyama Kosala Likambu sans que Bisengimana yeba? Alors, comment se fait-il que Kanyama Congolais concerné Bisengimana pour le moment comme on a yé na liste au bisoto yebi ezati? Bato bazali ba membre ya tout power, o bazana kata liste ezali kaka Ursule Kyungu, alias Jeannette Kabila, ou Zoé Kabila. Ce sont les deux personnes pour le moment bazana kati. Mais bah, les restes, c'est Zali, bah, congolais, n'a pas congolais. Tant au Tozala qui koloba, que, koliana occidental, koliana ndoki. Tant que bazo sale la yo, bah, on zipa mi sou na mabe na onyonso. Mais tant que bazo sale sou na besoin na yo, te pou babi ma batou malamu, bah, ko boa ki sa yo, mais directement. Tala ce qui est en train d'arriver. Alors, le nom d'un site politique au point CD,
mende apesi interview et na interview na azo silika alobi esalaka te o ba américain ba sali ba peuple congolais ba votaka te ba américain ba sa kutu na droit ko voter te pour ba sa ba congolais ba votaka te ba américain pour ba sanctionner ba autorité congolaise ba congolais ba votaka ba congolais pour na ba gérer makam na bango entre ba congolais ba américain ba votaka ba américain pour ba gérer makam na bango entre ba américain ba pratique ezo sala mawana esalaka te. D'ailleurs, Raymond Tshibanda, alors que les États-Unis ont tout là-bas, autorité américaine, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi les Alliés ont se comporté ainsi? Mais même les raisons pour ça n'a que, Mouto a tchèque on a pouvoir, a ça n'a pouvoir y a le relayo. Même ceux qui t'ont allé dans le cadre moko informel, t'ont employé expression par le droit constitutionnel, principe du parallélisme des formes et des compétences. Même ceux qui t'ont allé dans le cadre moko officiel. Liboko oye pesa ki o pouvoir e yebi ndenge nini ko ki ko boto la o pouvoir. Tango batu wana bazala ki ko armé patron na bango Paul Kagame ba Museveni ba président burundais de l'époque. Est-ce que ba gazaï consort? Est-ce que masola souveraineté za ko betama? Tango bango bazala ka na RCD bazali ko zipa misu na makam nyoso ma beo bango bazali ko sala. RCD, CNDP, M23. Tozonga même sima na AFDEL. Est-ce que ma solo a souveraineté ça qui kobetama? Tant que bazala ki ko soutenir na bango na fraude électorale il y a 2006 et puis fraude électorale il y a 2011. Est-ce que mende abeta ki ma solo a souveraineté? A komi ko beta ma solo a souveraineté wana lelo tant que ba komi ko binga na bango. Est-ce que le Congo est un pays souverain ou le Congo est-il un pays sous tutelle? Total a bien, est-ce que ça dit souverain ou c'est un pays sous tutelle? Pour indépendance ya Congo, c'est juste une indépendance sur le papier. Ce n'est pas une indépendance réelle. Ce n'est pas un pays souverain. Si on était dans un pays souverain, Premier ministre Nakayeba, que une des plus grandes mines et une des mines parmi les plus riches du pays, on y atteint que Fungurume, et c'est là qui côté Kamapa, Freeport, McMoran et pas Yaba Chinois. Bate qui en a 2 650 millions de dollars, un tiers du budget à Congo, le Premier ministre n'est pas au courant. Encore grave, en confondant qui va chiffre, hein, un économiste, dans son cours en mathématiques, en statistiques, il fallait que 2,65 milliards de dollars veut dire 2,650 millions de dollars. Bon, ça, il n'y a pas été. Mais ce qui est encore plus grave, à l'objet qui n'était pas au courant, lui et le président. Alors, ce qui est là, qui souverain, vente, il y a des gens, j'ai commis dans une action, dans le cas que Funguru me maïne. Et j'ai commis, il n'y a pas quitté, il y a premier ministre, il n'y a pas quitté. On peut nous dire qu'un tel pays, c'est un pays souverain. Ba beta kama solo la souveraineté, ce qui, ba zo sala ma ben na mboka, et que bango ba zo trouver d'intérêt na bango. Mais ce qui, si go ba komi ko s'attaquer na bango, a, wana, ma solo la souveraineté et bimi. Mais eko changer na ngo, rien. Ba sanction eko continue ko kouya. Oyo nyonso, a viola ki ba droit de l'homme, aye ba ke bazali, sous monitoring, ya cour pénale internationale, et bazali, visé par des pays développés, notamment aux États-Unis, et puis des pays à l'Union européenne, pour ne pas sanctionner Bango. Et bah, on s'est retrouvé que Bango, on a Bango Nyonso, Kimisaki Libanda, ils allaient en sécurité, Tena Banda, Kubasoma Libanda, et qu'on allait geler. Mais sur place, dans le pays, tu remarques un phénomène. Bah, ça n'a qu'on retiré en masse, Bango, on a Bango Nyonso, Tchaki Naba Bank, bah, on retiré et bah, on thésaurisé, en gros, ça dit qu'on bombe à Nanda. Conséquence, dollars et mati makasi. Et le moins, il y a 900 dollars pour 900 francs congolais pour 1 dollar. Le lot OYO est allé à peu près à 1025 dollars, francs congolais pour 1 dollar. Ce qui fait que pouvoir d'achat, il y a population déjà, il y a là qui n'a assez, mais équité de plus de 30%. C'est-à-dire, Moutou OYO, il y a 100 dollars, le lot OYO, ils ont, on dirait, à combien à 68 dollars. Donc, à perdre. Pour la nini, bango batouba, yiba ki bambon on a bango, bazo l'ongo la bambon on a bango en liquide, bazo kende ko bomba on anda. Mais basa peka kan sécurité te. Parce que population o yezali énervé, so ki ba yebi que bango ba komi ko bomba bambon on a bandaku, ba ko ki ko zala ba victime maka moko boy. N'époque ya Mobutu. Mobutu zala kana occidentaux. Ah, mes amis les occidentaux, mes amis les occidentaux. Mais ba tindi na ye ambassadeur oyo États-Unis azala ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, si je ne me trompe, il devait s'appeler je crois Davidson. Je me trompe, je n'ai pas ça ni comme on a eu. Ambassadeur, on a eu ça comme bout à lobby, soko longwete, lobby est bimbe na, bako bambango, et qu'on tambo la travers, Kinshasa, et bako bambango ma banga. Alors, bango pe bako mina souka,
Ceux qui vont continuer à s'entêter, ils vont continuer à s'entêter, un envoyé spécial, à Koko Yanakin, à Epe qui va informer, ceux qui vont s'accani, ils vont livrer la population à Kinshasa en colère, et ils vont lyncher publiquement, ils vont piller, ils vont bien, ils vont piller, ils vont piller. Encore que, n'est pas comme Mobutu, ça qui n'a chance, que les combattants qui n'ont pas tauté. Bata Mobutu, ils vont qui m'a poté, qui régné, qui m'a tongé, qui Tottenham, ou je ne sais pas moi, à Château Rouge. Mais si quoi, c'est différent. Ceux qui ont mis les charges dans Kinshasa, ils ont poté à Koutana, les combattants. Les combattants, ils ont risqué que ça la bango mutakalisation, ou que ça la bango lumbe lumbe mouete mouete. Ceux qui ont les combattants, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, justice, ils ont été là, moyen de droit. Donc, na Congo, ils ont été là, ceux qui ont été là, ils 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 ont été là, Congolais ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ba sous-traitant oyo ba membre ba tout power ba nini non ba ekiri ba dépendant na kagame mais pas tous les tout hein juste les kiri oyo dépendant na kagame wana o ba benga ka bango tout power mais bon là dedans il y a pas que de tout type peut-être il y a aussi d'autres personnes oyo bazali au service il y a groupuscule wana mais ba tout wana bango bazali un peu en dehors pendant ce temps ba congolais o ba serva ki système ngulu ngulu Bako subir. Alors là, la chose ne fait que commencer. Bah, tchaki bango na pouvoir, la main qui les a placés au pouvoir, ils ali pe la main oyo, ils ali na kobenga na bango na pouvoir, ils n'ont pas appris na histoire ya Mobutu, bazali na ko revivre yango, et ce n'est que le commencement. Donc, si on a la banalise, au moins, on a une liste qui est au bima, on a gelé, on a bilo, on a un peu de somme à gauche, à droite, bako boto la bango bandaku bako exiger bango ba taxe bako exiger bango ba prouver mbongo na basola ki wapi ezala ki ndenge nini et ba se rendre compte que makambo bible lobaka vanité de vanité tout est vanité yango yo bazali ko vivre na mukuse the game is over alors pona lelo to suki awa to ko pesa bino auditeur du jour ya lelo ezali Guillaume Kalombo azali na Bonn na Allemagne. Et puis, wana auditeur du jour Yaliboso, auditeur du jour Yami Balé, comment on a eu Fukushima, azali combattant Fukushima. Je crois que Batunyoso bazalaka na parking ya gare du Midi na Bruxelles, ba yebiye, hein, c'est un grand combattant Hollande, Belgique et puis ayamba lebele na France et até yaka quand même liloba ya Congo na milieu na ye. Et à travers hier ton guito profiter tout ça là un clin d'œil à la seule femme où ya sala kako voiturage entre Paris na Bruxelles ou ba ville allemande na Belgique les ali ba yé bien na kombo ya sœur mamie voilà yépé il faudrait tout ça les là et moi un clin d'œil alors moi ba communiquer mouké tout ça nango les ali que le 9 juillet réunion à mon néné les ali na Bonn en Allemagne na kopé sabino lieu na adresse le moment venu nga na kozala wana Charles ona na kozala wana et batebele hein to route un peu partout et to sa la conférence moko munene bo réserver journée na bino na Bonn tout l'après-midi en tout cas to zali ensemble et conférence munene ko sala on a le 30 juin be venemez a ko s'organiser et belé un peu partout na zo rappeler bino Friends of the Congo bazali ko organiser événement ya munene na Londres bo réserver pe journée na bino kozala samedi indépendance ezali jeudi mais ba on ba kosala yango samedi tout l'après-midi bo kende ebele na Londres ezali événement mosusu ezako se préparer na Bruxelles to ko pesa bino ba coordonner ba éléments le moment venu sur ce on vous souhaite de passer une excellente journée merci pour votre fidélité à maizo.com et merci à tous les sites qui nous relaient. Bon réagir, beaucoup t'en a forum, beaucoup t'en a Facebook, beau partager, beau yebi sabato, bah yebi nan émission ote, ou bah yebi site, beau partager, et beaucoup ma ebele na Rolanda émission, nous sommes sensibles à votre fidélité. Lika mobile na bise zali 00 33 758 469 414, ezali lika mobile ya France, ezali téléphone ya analyse, soki bolingi ba benga kabino, ba rappela kabino, votre façon à vous de participer, c'est yako charger téléphone wana na ba unité. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci, au revoir.